Et si c'était eux les véritables stars du Gotha? Alors que les membres des familles royales à travers le monde sont suivis par de nombreux passionnés, les enfants issus de ces milieux ne sont pas en reste, les fans de royauté se régalant de voir leur visage innocent et espiègle ainsi que leur facétie, n'ayant pour la plupart pas encore été formés à la rigueur des protocoles royaux. Le prince Louis de Galles en est le parfait exemple. Depuis plusieurs années maintenant, le petit garçon, à travers ses grimaces et ses mimiques, ne manque pas d'amuser ses proches mais aussi le monde entier qui profite de ses pitreries. Sa sœur, la princesse Charlotte, et son frère, le prince George, plus âgé, sont déjà eux en train de peu à peu se conformer au protocole de la firme, mais reste tout de même un plaisir à suivre pour les photographes, notamment le jeune prince dont les similitudes avec son père, le prince William, sont de plus en plus troublantes. Quelques kilomètres plus au sud de la famille royale britannique, le prince Jacques et la princesse Gabriella font eux aussi crépiter les flashs des appareils photo. Alors qu'ils fêteront leurs 10 ans en 2024, les enfants du prince Albert de Monaco et de son épouse la princesse Charlène accompagnent de plus en plus souvent leurs parents lors d'événements publics. Une manière de les préparer à leur futur rôle d'importance au sein de la principauté du Rocher. Heureusement, les jumeaux royaux partagent l'attention médiatique avec leurs célèbres cousins et petits-cousins, comme Raphaël El Malet, Sacha Casiraghi ou encore Stefano et Francisco Casiraghi. Découvrez les bouilles les plus mignonnes des enfants du Gotha: George, Charlotte et Louis de Galles, Jacques et Gabriella de Monaco. Les bouilles les plus mignonnes des enfants du Gotha. Les enfants du Gotha passionnent aussi au nord de l'Europe dans les pays nordiques, les enfants des familles royales sont là aussi à l'honneur, pour leurs espiègleries. Alors qu'il vient tout juste de fêter ses 8 ans, le prince Oscar de Suède commence tout juste à s'assagir, lui qui, à l'image du prince Louis, ne manquait jamais l'occasion de faire une pitrerie lorsqu'il était de sortie. A contrario, sa grande sœur, la princesse Estelle de Suède, a toujours été d'un naturel plus calme et a très vite pris exemple sur ses parents pour adopter un comportement modèle. Une manière de faire qui amuse et rend très fier son père, le prince Daniel, époux de la princesse héritière Victoria de Suède. Crédit photo, Claudia Albuquerque. Cheers.